Pacification, Tournant sur les îles, d'Albert Serra, un voyage dans la Polynésie rêvée. Voyage au long cours, le film ne dure pas loin de 3 heures. Elle passe pourtant sans encombre, dans l'exotique nonchaloir d'une Polynésie fantasmée, où l'émérite Albert Serra nous dépayse sous la lumière dorée et dans la moiteur vespérale de Tahiti. Tahiti, c'est la France. On se souvient de la mort de Louis XIV, en 2013, avec Jean-Pierre Léo, impayable en monarque en perruqué, gravataire agonisant dans les purges et la salie, ou de Liberté, en 2019, film beaucoup moins convaincant celui-là, qui nous transportait au siècle des Lumières, dans une clairière où forniquait un cénacle d'adipeux aristocrates. À distance de tout réalisme, dans un temps suspendu à d'improbables menaces belliqueuses, le cinéaste catalan a convoqué, pour étoffer l'évanescence délibérée de son récit, quelques figures mythiques ou inattendues du 7e art, campées par un Benoît Magimel placide et empâté, ce suave de roller, haut commissaire de la République, l'équivalent d'un préfet en métropole. Bonas et Filouki, sanglés dans un immuable veston blanc, col ouvert sur la même chemisette à fleurs décidément rebelle au pressing, chaussés jour et nuit de lunettes teintées de bleu, disent-ils la bonne parole en esquivant les réponses. À la jumelle, le haut fonctionnaire a cru apercevoir un sous-marin faisant le dos rond à la surface des eaux. Circule la rumeur d'une reprise des essais nucléaires. Les locaux sont sur les charbons ardents. Voilà pour l'intrigue. Elle fournira tout de même l'occasion de quelques virées en hélico pour survoler des paysages de cartes postales, ou d'échapper sur des spots de surf aux vagues géantes. Parfois, Pacification n'est pas sans rappeler, à quelques Kakoshim spectateurs cinéphiles s'il en reste, quelque chose du climat d'India Song, ce film de Marguerite Duras millésimé 1975, mais une Duras qui, par on ne sait quel miracle, aurait été dotée d'humour et de fantaisie. Autres apparitions singulières au cœur de ce caustique tournant sur les îles, c'est le sous-titre, le comédien Sergi Lopez, ici en tenancier de boîte interlope, rôle entièrement muet et quasi fantomatique. Plus surprenant encore, l'excellent écrivain Cécile Gilbert, dans son propre rôle d'invité officiel, qui se prendra de 3 répliques improvisées « ça ne mange pas de pain ». Il y a aussi un allègre amiral, inutile et chenu, joué par Marc Suzini, qui semble beaucoup apprécier son contingent d'engagés. Sans compter les comparses, sous les traits d'acteurs et d'actrices parfaitement inconnus sous nos latitudes, tel Mataï Pandrin, le chef de clan indigène, lequel s'affronte à mots couverts avec Magimel de roller, roi de l'esquive rouée, sous les dehors de la courtoisie. Ou encore cet étrange portugais à qui on a volé son passeport, Alexandre Melo. Et surtout la photogénique, androgyne et somptueuse Pawama Agafanaou, dans le rôle de Shana, travestie au sourire désarmant, dont la silhouette racée, chaste mais chargée d'érotisme coudoie de bout en bout notre Magimel national, comme la tentation faite chair. Tentation à laquelle, pour le coup, cède avec volupté le corps de Marine, au passage, dans un nocturne ballet d'épilogue chaloupant et, en somme, très pacifiant. On ne s'ennuie pas dans le Pacifique. Pacification, Tournant sur les îles. Film d'Albert Serra. Avec Benoît Magimel. France, Espagne, Allemagne, Portugal, 2022, couleur. Durée, 2h43. En salle.